Amos. Amos. Ibice munani murongo wa 11. Le chapitre 8, verset 11. Tulageza ku 14. Nous irons jusqu'au 14e verset. Dore imisi izaza ni ku Uwiteka Imana ivuga. Nzateza inzara mu gihugu. Nizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi baje iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi ingumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota, abarahira icyaha cy'i Samariya bati ndahiye Imana yawe Dani we, kandi bati ndahiye umuhango w'i Berisheba Uhoraho, nabo bazagwa kandi ntabwo bazongera kubyuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amos, umuhanuzi w'Imana. Amos, le prophète de Dieu. Watanze ubuhanuzi bwe mu mwaka we wa 780 igihe kimwe n'umuhanuzi Yesaya. Qui a donné sa prophétie pendant les années 780 avec au même moment que le prophète Isaïe. Warutuye ahitwa Tekoa. Il habitait en un lieu appelé Tekoa. Mumajefo ya Yerusalem. Au sud de Jérusalem. Noneo ahanura. Et il a prophétisé. Yari yuzumuko imana. Il était rempli du Saint-Esprit de Dieu. Muruka ko nigeze mabwira kuri uyu Amos nanone. Vous souvenez que je vous ai déjà parlé de ce Amos. Uyu Amos yari umwana w'umuhinzi. C'était l'enfant d'un laboureur. Ntabwo Amos yari umwana wo mu nzu y'ubwami. C'était pas un enfant issu d'un palais royal. Ntabwo yari avukiye ahantu hakomeye cyane. Il venait pas d'un lieu puissant. Yari umwana w'umuhinzi Amos. C'était l'enfant d'un cultivateur. Ariko Imana iramuhamagara. Mais Dieu l'a appelé. Nababwiye ko tugomba gukorera Imana uko twumvise umuhamagaro. Je vous ai dit que nous devons servir Dieu après avoir eu l'appel. Niba nta muhamagaro turi kurushwa n'ubusa. S'il n'y a pas d'appel, nous ne fatiguons pour rien. Amos yumva umuhamagaro w'Imana. Et Amos a senti l'appel de Dieu. Nibwo atangiye guhanura. C'est là qu'il a commencé à prophétiser. Muri uwo mwaka wa 780 mbere yo kuvuka kwa Kristo. Cette année-là, en 780 avant la naissance de Jésus-Christ. Muri ubwo buhanuzi Amos yatanze. Et dans cette prophétie que Amos a donné. Nawe abona ibijanye n'umwuka wera. Il a vu les choses qui étaient par rapport au Saint-Esprit. Ariko abivuga muri aya magambo. Mais il en a parlé en ce moment. Yabonye isi yose abantu bose bafite inzara. Lui a vu toute la terre et tous les peuples étant affamés. Abona abantu baranyotewe bafite icyo kere gikomeye cyane cyo gushaka amazi. Il a vu que les gens avaient une grande soif et voulaient trouver de l'eau. Ariko akabona ntabwo ari inzara y'ibiryo kuko igihugu cyari gifite ibiryo. Mais il voyait bien que ce n'était pas la fin des choses, de la nourriture, parce que le pays avait de quoi manger. Abona ntabwo ari inyota y'amazi kuko amazi n'imigezi myiza byari bihari. Et ce n'était pas non plus la soif de l'eau qui coule, parce qu'il y avait de grandes, de bonnes rivières. Amos. Abona ninzara ninyota yo gushaka Imana. Et il a vu que c'était la disette de pour chercher Dieu, la faim et la soif pour chercher Dieu. Bavandimwe ndagira ngo mbabwire. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire. Turategereje kubona ubujutse. Nous attendons le réveil. Isi yacu itegereje kubona ubujutse. Notre terre attend, notre monde attend le réveil. Kuko Yesu yarabivuze. Parce que Jésus l'a dit. Ntabwo azagaruka. Il ne reviendra pas. Ubutumwa bwiza butabwirijwe abari ku isi bose. Avant que l'évangile ne soit prêché sur toute la terre. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Noneho Amos yabona abantu bose bari gushaka Imana. Et Amos a vu
les peuples qui cherchaient Dieu. Ça, c'est la prophétie d'Amos. Et disons par rapport à ce qui nous concerne, nous, en tant qu'Église de Dieu, nous ne pouvons pas avoir de réveil si nous n'avons pas cette faim et cette soif. La faim de rechercher à connaître Dieu comme il faut. Cette faim qui cherche à avoir la parole de Dieu. La faim qui cherche à savoir davantage ce qui concerne Dieu. Si ce vent souffle dans l'église et que ce vent vient dans l'église, les pasteurs à ce moment-là n'ont plus un problème pour prêcher l'évangile. Il n'y a plus de problème. Parce que ce vent a déjà soufflé dans l'église. Parce que c'est le moment où chaque chrétien chez lui est en train de prier et chercher le Seigneur. Ce ne sera plus un problème pour le pasteur Remesha d'annoncer et de dire venez à 10h. Frère, vous ne pourrez plus le dire à ce moment-là. Ce ne sera plus un fardeau pour le président de la chorale de rappeler que les choristes doivent venir tôt. Ceux qui auront un travail dur, c'est les deux Pascals. Parce qu'ils seront obligés de venir à 6 heures du matin. Quand ce vent aura soufflé dans vos cœurs, chaque personne aura besoin d'entrer dans la maison de Dieu. Et elle sera impatiente la veille et dira, je veux aller à la maison de Dieu. Chaque personne cherchera Dieu. Prions pour qu'aujourd'hui Dieu nous visite. Prions et demandons, Dieu, visite-moi. Dieu, visite-moi. Que ce vent souffle encore en moi. Les chantres, le groupe de louanges a chanté un très bon chant. Ce n'est pas seulement parce que j'aime la langue swahili. Ils ont chanté en disant « Oh pluie, tombe, tombe, tombe !» Quand cette pluie sera déjà là, nos cœurs changeront. Cette pluie est nécessaire dans nos cœurs. Cette pluie doit être dans ton foyer. Et cette pluie est indispensable parmi tes enfants. Et parmi tes parents aussi. Et cette pluie est indispensable dans ce pays. Ce pays, la Belgique, a besoin de voir cette pluie. Mais aujourd'hui, chacun est devenu individualiste. Chacun pour soi et chaque personne se regarde soi-même. Mais quand cette pluie tombera ce jour-là, chacun aura le fardeau de son frère et on prendra soin de son prochain. On ne dira pas tes affaires ne me regardent pas parce que tous auront été bénis par Dieu. La faim et la soif. La faim qui n'est pas la faim pour la nourriture. La soif qui n'est pas pour de l'eau. Demandons-nous.
iyo nzara uwumva uyifite. Est-ce que tu as cette faim? Iyo nyota uwumva uyifite. Est-ce que tu as cette soif? Ntabwo ari ukureba mugenzi wawe ni wowe ni njyewe ngomba kwibaza. Il ne s'agit pas de regarder ton voisin, c'est toi et moi qui devons faire une introspection. Najaga ku fata imirongo myinshi cyane. J'allais peut-être prendre beaucoup plus de versets. Ariko ahari amasaha yatunyuraho. Mais le temps pourrait vite passer. Le kansabe umuntu umwe witeguye asome. Je vais demander à quelqu'un qui est prêt de lire. Kugira ngo mumenye, menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe ngo ahari ngire ku muzuko w'abapfuye. Kugira ngo ngire gute? Afin que je. Philippiens 3. Philippiens 3 est le verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Les ados, kwifuza ko mubana natwe nta kindi ni ukugira ngo mumenye uwo Kristo ugomba gutuma tugira inzara tukagira inyota kugira ngo tumumenye uwo ari we. Ah, chers ados, le fait que je veux que vous restiez avec nous, ce n'est pas pour une autre raison, c'est pour que vous puissiez connaître ce Christ qui nous donne cette soif et cette faim d'être avec lui. Vous savez que nous prions avant de nous quitter à chaque fois. 2 Corinthiens 13, le verset 13. Je pourrais demander à un pasteur de lire. 2 Corinthiens 13, verset 13. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese. Amen. No kugira gute? No kubana niki? Et la communion avec le Saint-Esprit. Kubana n'umwuka wera. Être en communion avec le Saint-Esprit. Nage niki keretse yo twibagiwe hari. Ari ku mupasa yego na sezeri iteraniro. Arwa ngo ubuntu mwese hamwe mugahita mukurikizaho. Nous n'oublions jamais aucun jour à la fin du culte que le pasteur lise ou dise tout simplement que la grâce et tout le monde complète. Ariko ikibazo si ukuririmba, ikibazo nuko kubana n'umwuka wera. Mais il ne s'agit pas seulement d'en parler, mais d'être en communion avec le Saint-Esprit. None ikibazo ubana n'umwuka wera. Alors une question, est-ce que tu es en communion avec le Saint-Esprit? Warukwiye kugira rero inzara n'inyota byo gushaka umwuka wera kugira ngo mugire mute mubane. Il te faudrait cette soif et cette faim pour que vous puissiez être ensemble, être en communion avec lui. Ni byiza ko mwaza hano tukabasengera. Il est beau que vous puissiez venir ici pour kandi ibyo ngibyo turabikora rwose. Et nous le faisons. Ariko ibyo si byo byagushyira mu inzara n'inyota. Mais ce n'est pas cela qui te donnera la soif et la faim. Iyo nzara n'inyota iragomba guturuka muri wowe kubishaka wowe ubwawe kuba kubishaka. Cette soif et cette faim doivent venir du fond de toi. Tu dois le vouloir toi-même. Nibyo nababwiye ndi ni wawe mu rugo no muri toilette ugiye muri toilette uba ufite iyo nzara kuko hari n'abandi bagiye babatizwa mu mwuka wera barimo bajya kwituma muri toilette. Et c'est pour cela que je vous dis, même en étant chez vous, même à la toilette, gardez, ayez cette soif, parce qu'il y en a qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, dans leur toilette.
Je vous le dis et vous pensez que ce sont des choses incroyables, mais je connais ces personnes-là et je sais les personnes qui ont témoigné. D'autres ont été baptisés dans le Saint-Esprit en priant pour leur nourriture. La faim et la soif. Que j'ai cette faim et cette soif. Et que ces promesses soient en moi aussi. Que ce soit à moi. Que je m'approprie. C'est ce que Pierre a dit le jour de Pentecôte. Et il a dit, la promesse est à nous tous. La promesse est à toi, elle est à moi. Mais ça demande quoi? Inzara. La faim. Munyuveneza ntabwo ari inzara yo gushaka kugaragara imbere y'abandi bantu. Comprenez-moi bien, ce n'est pas la faim de vouloir paraître devant les autres. Oya. Non. Ni inzara y'iriya communion n'umwuka we. C'est la faim pour cette communion avec le Saint-Esprit. Birikumvikana. Est-ce que c'est compréhensible? Pensons ensemble, qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'ait pas de soif? Qu'est-ce qui fait que le pasteur prêche, un évangéliste tel prêche, mais tu rentres tel que tu es venu? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, tu sens qu'il n'y a plus d'eau qui coule en toi, que tu le sens? Qu'est-ce qui fait que quand tu es réuni avec les autres, tu ne te réjouis pas et que tu puisses sauter en te réjouissant dans le Seigneur? Aujourd'hui, écoute. Et écoute la réponse à ça. Qu'une autre personne lise dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 4 et le verset 19. Les ados, préparez-vous, je vous demanderai de lire. Les hommes aussi, je vous demanderai de lire. Non, non, madame, Marc 4, le verset 19, une dame. Maze amaganya yisi, niwi hendo, yubutunzi, nirari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mutima, biniga iryo jambo niryere. Est-ce que c'est compréhensible? Combien de personnes ont des Bibles en Kinyarwanda et en Kirundi? Je vais leur demander tous ensemble de lire cette parole. Et je dirai 1, 2, 3. Vous y êtes? Les ados vont suivre. Les ados nabo badusomere Luka ibice 8 murongo 14. Je vais demander aux ados de lire Luc 8, 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Est-ce qu'on a compris? Que Dieu te bénisse. Je
Je vous ai dit une fois qu'à un endroit qui s'appelle Kamembe à Tiangugu, il y a un monsieur qu'on nommait Problème. Et en le voyant, on lui disait, comment vas-tu, Problème? Et il a eu une révolte à un moment. Parce qu'il voyait comment les gens étaient. Et il leur a demandé, vous m'appelez Problème, qui n'a pas de problème parmi vous? Et les soucis de ce monde. Ma maman. Chère maman. Amaganya yi ici. Les soucis de ce monde. Urabyumvute. Comment est-ce que tu comprends cela? Ba papa. Les hommes. Amaganya yi ici. Les soucis de ce monde. Yesu yaravuze ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukyanuka kwayo ngo ibindi byose nibwo muzabyongerera. Jésus a dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné. Kwairimba cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Vite. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. Le président de la chorale. J'ai observé les lèvres de la chorale lumière. C'est pour cela que je demande au président que ce chant fasse partie de la répétition de la chorale. Amaganya yi yisi atuma ilianzani nyota bitaza mu mitima yacu. Les soucis de ce siècle font que cette faim, cette soif ne viennent pas dans nos cœurs. Je dis, je dois aller prier, mais je dois faire ceci, je dois faire cela d'abord. Ou bien j'ai déjà mis l'heure à laquelle je dois prier et j'ai enregistré sur mon téléphone, mais quelqu'un d'autre m'appelle et m'amène ailleurs. Voilà les choses qui font que cette faim s'éteint. Je ne vous empêcherai pas d'avoir un emploi. Je loue le Seigneur que vous ayez du travail. Mais j'ai peur que le travail soit à la place de la vie éternelle en vous. Le travail a déjà remplacé la faim et la soif qui étaient en vous. Chacun court vers le travail. Mais qui court vers la maison de Dieu pour prier? Qui court en disant j'ai la faim, la soif de la parole de Dieu? Non. Les soucis du siècle. Je ne prêche pas. Comme le pasteur qui a
prêcher sur Marie et Marthe. Abadamu wari mu gitane warabizi ko nagiye mbabwira kenshi. Les dames qui étaient au camp savent que je leur en ai parlé à maintes reprises. Abadamu nagiye mbabwira ko bitonda kwigisha kugira ngo amenye uko basobanurira abantu. Et j'ai mis en garde les évangélistes aussi quand ils prêchent de bien veiller à ce que les gens comprennent. Pasteur wigisha ati Marthe akoza akazi keza ati yabaye rwose umupagani. Et il a prêché en disant, Marthe était, elle était païenne, mais Marie a fait de très belles choses. Il dit, mais Marthe aimait seulement les choses de la cuisine. Et il a prêché, beaucoup de personnes qui étaient présentes étaient édifiées. Mais son épouse a dit, mais c'est à moi qu'on s'est adressé. Et pendant que le pasteur parlait encore aux chrétiens, il a dit aux enfants, rentrons à la maison. Et elle est rentrée, elle a mangé avec les enfants et elle a dit, ne laissez rien de côté. Les enfants ont tout mangé, même la part qui était réservée au père. Et le pasteur en rentrant le soir, il a demandé, aujourd'hui, il n'y a pas de chaleur. On n'a pas cuisiné apparemment aujourd'hui. Et madame étant assise dans son fauteuil, elle a dit, nous voulons aussi être comme Marie. Et le pasteur dit, mais est-ce par rapport à la parole que j'ai prêchée? Il dit, pardonne-moi, je meurs de faim. Le dimanche qui suivra, le dimanche prochain, je vais expliquer en contredisant ce que j'ai dit. Marthe avait une très belle tâche. Ce n'est pas de cela que je vais parler, frère et soeur. Mais Paul a dit. Il a dit, la nourriture est pour le ventre. Ne viens pas ici en laissant ton esprit à Clémenceau. Viens et dis, je veux la nourriture qui vient de la parole de Dieu. Ces heures que j'ai données, Seigneur, je veux manger de ce que tu donnes. Et après, tu iras à Clémenceau. Mais à chaque fois, c'est Clémenceau. Où sont les choses de Dieu? Du siècle font que nous n'avons pas de faim et de soif. Vouloir la séduction des richesses. Vouloir être riche à tout prix. Ce n'est pas mal d'être riche. C'est beau. Mais sache que tu laisseras tout ceci sur terre. Sois riche aussi dans les choses spirituelles. Je ne sais pas si nous avons compris cette parole. Est-ce que ces choses-là ne nous freinent pas? Et nous nous demandons pourquoi nous sommes refroidis. Les soucis de ce siècle nous ont refroidis. Man, il te que Dieu nous visite.
Nuno gerageza wo urebe uri mu gere ute. Essaye de voir comment tu vas gérer ça. Urebe pourcentage uha ibyimana, urebe na pourcentage uha amaganya y'isi. Vérifie et regarde quel pourcentage tu donnes à Dieu et le pourcentage que tu accordes aux soucis de siècle. Cela te concerne, ce n'est pas à moi, je suis un évangéliste. Ceux à qui j'ai demandé de lire, qu'ils lisent Jean 15, le verset 4. Les hommes vont lire. Ou bien, les hommes. Mugume muri je, nanje ngume muri mwe, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu. Niko namwe mutabibasha nimutaguma muri je. Ninde wabivuze ibi ngibyo? Qui a dit ces paroles? C'est Jésus. Quand les soucis viennent, où est Jésus à ce moment-là? Nous demandons à Prudence, quand les soucis viennent comme ça, où est Jésus en ce moment-là? Jésus est à l'extérieur. Et c'est lui qui a dit si vous regardez bien au sein de l'Église, parmi les chrétiens, cette parole n'a plus sa place. Abantu bari kugerageza gushaka uburyo bakwishyiraho ubutunzi ndetse bitwikiriye igitwikirizo cy'iby'Imana. Les gens cherchent à tout prix à s'accaparer des richesses en ayant la couverture des choses de Dieu. Agafata icyo gitwikiriza akacyitwikira ariko ari kwishakira ubutunzi. Et la personne va prendre cette couverture tout en cherchant la richesse. Et d'autres se disent, pour que je sois riche, il faut que je me lève en tant que pasteur puissant. Mais après toutes ces choses, c'est les soucis du monde qui le repoussent. Et il se dit, les offrandes que les chrétiens donneront me feront vivre. Et il le fait comme ça. Je commence par les pasteurs parce que j'en suis un. Pour que vous puissiez le comprendre. Et l'autre se dit, je n'aurai pas le moyen d'être pasteur. Mais je parle en langue, alors je prophétiserai. Et tout celui à qui je prophétiserai donnera de l'argent. C'est devenu comme la sorcellerie. Ou la voyance. Et ce qui est étonnant, c'est que toi et moi, nous courons vers ces personnes. Et tu vas lui demander, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de moi? Allô? Est-ce que j'ai traîné? Amos yaravuze ngo icyo gihe abantu bazajarajara.
Il a dit, à ce moment-là, les gens iront à gauche, à droite. Abantu bazajarajara hirya no hino. Les gens iront à gauche, à droite. Kubera ko kugaruka kwa Yesu kutwegereye. Parce que le retour de Jésus est proche de nous. Ici, il y kumva imiburo yo kugaruka kwa Yesu. Le monde entend que ce qui dit par rapport au retour de Jésus. Les avertissements par rapport iyo au miburo. Iri kugenda yumvikana mu isi yose. Et ces avertissements se font entendre dans toute la abanyabwenge bategereje ikindi kintu kindi gisaki gisha kuruta icyo ari kureba. Les savants attendent une autre chose extraordinaire. Abanyapolitiki nabo bari guca ikindi kintu kindi gisha batari kureba ubu ngubu. Les politiciens attendent aussi autre chose qu'ils ne voient pas maintenant. Ba imiriro bajya bacana kwizimya birabagoye. Les feux qu'ils ont attisés à gauche, à droite, c'est difficile de les éteindre. Ceux qui sont chargés des finances et de la richesse du monde, ils se demandent quoi faire parce que l'économie n'est pas stable. Mais l'Esprit de Dieu veut faire son œuvre et veut apprêter l'épouse de Christ. C'est comme cela que le Saint-Esprit prépare l'épouse de Christ dans les quatre coins du monde. Beaucoup de peuples se préparent à la venue de Christ. Les chrétiens sont assoiffés, ils aspirent au retour de Jésus et demandent : quand viens-tu, Seigneur ? Et tout ceci fait chavirer le monde. Les piliers de ce monde chancellent et bougent. Benedata, ba Christo. Frères et sœurs chrétiens. Et c'est pour cela que les gens courent à gauche à droite. Mais nous ne devons pas courir à gauche à droite comme eux. Venez et apprenons la parole de Dieu. Et observons ce que la parole de Dieu nous dit. Demande à Dieu et dis-lui, Seigneur, je veux cette soif, je veux cette faim. Qu'ils viennent en moi. Que les soucis de ce siècle ne restent pas sur moi. Demande à Dieu afin que ces soucis soient sous tes pieds. Je ne dis pas que dans ce monde nous n'aurons pas de soucis. Mais Jésus a vaincu. Et Jésus qui a vaincu. Et c'est lui qui a dit, je demanderai au Père. Il vous donnera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vivra avec vous tous les jours. Il vous guidera tous les jours. Hallelujah. Amen. Mukawe. Le Saint-Esprit. Ahabga. Nabafite inzara ninyon. Il est donné à qui a faim et soif. Kugira ngo duse nabahagarika afin que nous puissions clôturer notre enseignement pour aujourd'hui. Joël arahanura. Joël prophétise. Ati ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Dit, je répandrai mon esprit sur abambaye tous les peuples. Inyumubiri bose nzasuka ku umwuka wanjye. Sur tous ceux qui sont vêtus de la chair, je leur donnerai mon esprit. C'est le prophète Joël qui a prophétisé. Il était nécessaire que ça arrive, que ça se concrétise, parce que la prophétie disait, je ferai, je répandrai mon esprit. Jésus n'était pas encore venu quand les prophéties se passaient.
Mais quand Jésus est venu et qu'il a fait toute son œuvre ici sur terre, il a dit à ses disciples, il est convenable que je parte pour que l'aide vienne vivre avec vous, que l'aide vienne demeurer avec vous, que l'aide vienne travailler avec vous. Vous et moi, nous avons besoin d'une aide. Voilà ce que le prophète Joël a dit. Et ça s'est passé le jour de la Pentecôte. Toi et moi, aujourd'hui, ça peut nous arriver. Mais regarde d'abord, gère d'abord ces soucis qui enlèvent la parole de Dieu en toi. Et ne cours pas à gauche à droite. Ne cours pas à gauche à droite. Mais laisse ce souffle venir sur toi, que le Saint-Esprit te donne la soif et l'envie de manger de la parole de Dieu. Que le souffle du Saint-Esprit soit visible dans ta maison. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Apparemment, deux mamans ont eu un problème. Mais prions afin que ce souffle du Saint-Esprit vienne dans ton foyer, dans mon foyer. Et chez moi aussi, que ce vent du Saint-Esprit y soit. Le souffle, ce vent du Saint-Esprit vienne dans mon cœur. Levons-nous et prions.